Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce Draw Trollman Draw Show de 2018 sur la caricature de la streameuse Kitty Cathy, dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin de ce Draw Trollman Draw Show de 2018 sur la caricature de Kitty Cathy qui faisait le jeu Octopath Traveler. Donc là, pour cette caricature, en fait, au moment où je suis arrivé sur son stream pour savoir ce que j'allais faire comme caricature, elle était en train de faire une petite pause parce que apparemment elle avait détecté un nœud dans ses cheveux et elle avait voulu l'enlever. Donc voilà, j'ai voulu faire une caricature là-dessus, ce qui est assez rigolo. Puis c'est normal, hein, quand on voit un défaut sur quelque chose sur soi, vaut mieux l'enlever, hein, c'est ce qui est normal. Donc voilà. Donc oui, je voudrais aussi faire un petit rappel parce que au précédent, Draw Trollman Draw Show sur la caricature de le précédent streamer ou la précédente streameuse, je sais plus. Une des précédentes caricatures, il y a une personne qui n'avait pas compris ce qu'était le Draw Trollman Draw Show. Je vais la répéter ici. Donc malgré son nom, Draw Trollman Draw Show, c'est parce que c'est un titre que j'avais donné comme ça parce que quelqu'un aimait bien mes dessins qui étaient un petit peu trolls, qui sont pas trolls méchants, hein, c'est des trolls gentils, c'est pas des trucs satirique, c'est juste une caricature. Hein, maintenant, c'est vrai que le mot caricature, on lui donne plein de noms bizarres. Ce qu'il faut savoir, c'est que caricature, c'est un terme, dessin humoristique. Hein, humoristique qui, si ça va de l'humoristique, moquerie, c'est du satirique. Et si c'est de l'humoristique, juste un truc rigolo qui s'est passé, c'est juste une caricature. Voilà, c'est tout. Donc, pour le Draw Trollman Draw Show, ce qu'il faut savoir, c'est juste un dessin pour faire une petite pub
un streamer que j'ai sélectionné aléatoirement, donc je ne connais pas du tout, hein, je ne sais pas qui c'est, je ne fais pas de pub pour quelqu'un que je connais, non, c'est un truc comme ça, et pour ceux qui se demandent si c'est légal, quoi que ce soit, c'est tout à fait légal, parce que c'est pas interdit, hein, on peut faire de la pub pour n'importe qui, voilà, donc n'importe qui, pour s'il veut, bien sûr, avancer dans sa passion, ou dans quoi que ce soit. C'est un genre de petite, pour moi, petite forme d'encouragement. Donc j'invite à n'importe qui de le faire à sa manière. Hein. Pour ma part, je le fais comme ça. Comme ça, ça vous permet en même temps de découvrir différentes personnes. C'est pour ça que justement, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, le lien de la chaîne de la personne pour aller voir ce qu'il vous propose. Et cette chère qui dit Cathy vous propose plein de jeux, surtout du Overwatch à ce que j'ai vu, mais elle vous propose aussi d'autres divers jeux aussi. Voilà, donc si vous voulez aller découvrir ce qu'elle fait, eh bien c'est comme ça. Sur les Dro Trollman Rochaud, je vous fais découvrir des streamers. N'hésitez pas à les découvrir aussi, les précédents qui ont été faits et ceux des années précédentes. Pour certains, s'ils opèrent encore sur leur chaîne, n'hésitez pas à aller les découvrir, bien sûr. Donc voilà, hein, bien pour ce Dro Trollman Rochaud et ses quelques explications, pour remettre les points sur les i et faire comprendre ce qu'est le Dro Trollman Rochaud, qui n'est pas un truc méchant ni moqueur, mais un truc pour faire de la pub et vous faire découvrir de nouvelles personnes. Donc voilà, donc eh bien je vous remercie donc pour cela. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce concept, bien sûr, de découverte de nouveaux streamers. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Tout ça est gratuit, hein, même d'aller les voir. Hein, vous allez voir gratuitement ces streamers que je ne connais pas, bien sûr. Je leur fais de la pub comme ça. Et n'hésitez pas non plus à émettre vos avis, hein, aussi, pareil, dans la description. Ça peut toujours faire plaisir de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien sur cette chaîne ou sur ces vidéos, hein, n'hésitez pas non plus à le dire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner aux différents réseaux sociaux pour savoir ce que vous propose la Salut Tout le monde les gens prod. Et donc aussi, n'hésitez pas à les partager, ces réseaux sociaux, ces vidéos, tout ce que vous voulez, ça permet que je fasse découvrir ce que je vous propose et aussi découvrir ces différents streamers parce que les gens ils viendront voir ce que je propose, mais en même temps ils découvriront ces nouveaux streamers ou ces autres personnes que j'ai bien sûr caricaturées. N'hésitez pas non plus à partager tout ça. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous!